Bonjour à tous et à tous, ici sur Kitor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de nouveau. Ouah, j'avais pas vu ça tort la dernière fois. Donc on se retrouve sur la petite vidéo, donc sur le nom de la map que j'ai de nouveau oublié. Mais bon, le nom de la map est trop long, je l'oublie trop facilement. Donc spawns, respawning area, spawn... C'est quoi respawn? Je peux me taper s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me taper? S'il vous plaît, faites-moi mal. Faites-moi mal, j'ai demandé. Non, je déconne, me faites pas mal, je veux pas souffrir. Putain, je suis vraiment con, moi, en fait, des fois. Hop. Ouais, je suis plutôt un vicieux dans mon genre. Voilà. Ils sont pas... Ils devraient pas cramer, ceux qui sont là-haut, là. Il y a des zombies là et tout, mais ils sont pas en train de cramer, ça c'est... regardez, ils sont là-haut, mais ils crament pas. Normalement, ils devraient cramer, normalement. Hop, hop, hop. Voilà. Nous y sommes. Pouf ! Bon. Ceci dit, on va avoir le souci, comme dans chaque map, c'est le problème de la bouffe. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux mettre un... Je peux déjà mettre ça. Voilà, voilà. Je vais faire... bon, voilà, je vais tout faire comme ça. Les trucs inutiles, je les jette ici. La gunpowder dégage. Et voilà. Bon alors. Ruine du vieux chevalier. Fait du vieux combattant. Oh. Il y a quelque chose là en dessous qui m'intéresse. Il y a un coffre là. Voilà. Je vais mettre mon lit ici. Donc, merde, je peux dormir que la nuit. Il n'y a pas moyen de je mettre la nuit. Il n'y a pas moyen de mettre la nuit, s'il vous plaît. Putain, je peux pas mettre la nuit. Il va falloir que je survive alors. Hein. Donc, on va retourner à l'intersection numéro 1. Hop là. Donc ruine du sanctuary d'Amon et Forgotten Castle. Je vais peut-être aller dans les ruines. Allez hop. Voilà, je vais... Ça c'était un accueil chaleureux. C'est un accueil chaleureux. Aïe, vous avez pas commencé s'il vous plaît. Je suis quelqu'un de gentil et tout et vous voulez vous me faire du mal. Voilà, je pense que le spawn en fait c'était juste une mise en bouche pour te dire comme ça, voilà, tu vas... Il va y avoir ça. Ah! D'accord, en fait c'est vraiment pour nous dire comme ça, voilà, tu auras ça, ça, ça et ça, mais en fait dès que tu vas rentrer dans le truc, tu n'auras plus les mêmes règles. Ah, connard. Voilà, voilà, voilà. Bon bah, là on a de la bouffe. Bon, il n'y a pas énormément de mobs, on a plutôt de la chance pour le moment. Bah, je crois que c'est surtout parce que c'est pas trop mal éclairé cette zone, donc on a plutôt de la chance. On a plutôt de la chance à ce niveau-là. On va peut-être pas avoir trop de difficultés, je pense que la laine est là-bas. Wow! Oh genre, ils se battent avec des tartes là. Eh mais si eux ils se battent avec des tartes, je les laisse, hein, moi je les veux bien leurs tartes, hein, putain. La cobble, ça il faut que je prenne. Ils me donnent leurs tartes au moins, non? Ouais, ouais, si, ils me les donnent.
Pas tout le temps, mais la plupart, mais... Ah si, si, j'ai tout le temps, en fait. Bien, j'ai trouvé un endroit pour fermer de la bouffe. D'accord. Le jeu m'a fait ta gueule. M'a fait, si tu continues à parler, je t'ai fait tomber. Oh, ce coup de pute, putain. Voilà. Wow, tu te calmes là, Jackie. Wow, ouais, avec ton... Oh putain, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. J'avais pas vu ma vie, j'ai vu un coffre. Ça, je vais l'enlever parce que sinon ce spawner là va m'emmerder. Non, 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 ça va péter. Bande d'enculés. Ils ont voulu me faire péter. Ça a pas fonctionné. Ah, et je suis un survivant, moi, n'est-ce pas, jeune brebis égaré? Top. Toi là. Oui. T'es mort. Potion. Bon, bah vous êtes sérieux de me donner autant de machins, s'il vous plaît. Je peux pas tout accepter à chaque fois. Potion de force, potion de régène. Qu'est-ce que je peux lâcher? Ça peut-être et ça. Toi, 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 crève, 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 crève. Oh, il a fait... Il a lâché son... Alors... En fait, je crois que ça n'a pas réellement changé. Quoique... Quoique si, en fait. Mais... J'ai un arc punch 1. Et c'est tout. Je pensais que j'avais récupéré d'autres arbres et tout, mais... Non. T'as par contre les... Les creepers, là, qui s'enfoncent... Les creepers qui s'enfoncent dans le sol, hein. Je m'en passerai. Ok. Putain de bordel de merde. Oh là là, je les aime pas ces squelettes là. Allez, dégage. Putain merde. En plus, il y a le zombie là qui se fout de ma gueule. Bon, d'où ils peuvent sortir de là? Eh, Zou. Toi aussi, Zou. Ok, ok. Ouh, efficiency 4. Ça, il faut que je prenne. Mais il faut que je lâche certains trucs. C'est ça le souci, putain. Il faut que je lâche des trucs. Faut que je lâche des trucs. Faut que je lâche des trucs. Faut que je lâche quoi? Qu'est-ce que je peux lâcher là-dedans? Les os. Wow! D'accord, excusez-moi, hein. Avez pas vu que vous étiez autant, hein? Avez pas vu que c'était la fête? Excusez-moi, hein. D'accord, il y a 50 000 squelettes comme ça, ça va plutôt pas le faire. Mais non, 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 non.
Mais non, mais vous êtes de trop là, putain! Oh! Non, non! Non! Putain! Ah! Première mort! Première mort! Fais chier! Fais chier! Fais chier! J'aime pas, en plus c'est vrai, il faut vraiment qu'ils me foutent 50 000 squelettes, vraiment le mob que je déteste dans Minecraft, hein. Et ils me mettent celui-ci. Bon, comment j'étais monté moi tantôt? J'avais cassé un endroit. Et quoi, ça s'est réparé ou bien... Je suis quand même pas fou, j'ai peur. Putain, mais non, mais c'est pas possible. Allez, dégage, 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 dégage. Je crois en fait que je suis parti du mauvais côté. C'est par là que je dois aller. Ok. Non. J'ai envie d'un squelette tombé. Le problème, c'est que j'ai tout là-bas. J'espère juste que le squelette va pas respawn. Peut-être que le squelette... Si j'ai de la chance, le squelette, il sera plus... Ok, apparemment, j'ai eu de la chance, là. Il est plus là. Alors, qu'est-ce que j'avais comme équipement? C'est pas ça. C'est ça que j'avais. Voilà. Voilà. Il faut que je mette... Mes trucs comme ça là. L'arc. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que ça a l'air d'être bon. Faut juste que je prépare de la bouffe aussi. Bon, on va en profiter. On va se taper un méga sprint jusque là-bas. Pour foutre des torche en masse. Zou, zou, zou. Tous autant que vous êtes zou. Mais ils sont combien? Oh non, pas encore eux, hein. Voilà. Eux, ils spawneront plus déjà. C'est déjà quelque chose de bien. Eux se spawneront plus. Eux non plus. Puis j'ai dit eux non plus, putain. Putain, j'ai déjà plus de place sur moi, c'est cool. D'épée ban of atropode, mais bon j'ai déjà une épée en fer, elle veut... Mais bon, je vais quand même la prendre, je pense qu'elle peut être pas mal utile. Tant pis pour les... ça... Et ça... Oh non 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 non, toi je te bute, je te bute, je te bute, je te bute, je te bute. Il est inconcevable que je te laisse vivant. Inconcevable, bah tu compris. Voilà. Bon, ils sont plus ou moins tous morts, c'est cool. J'ai plus ou moins cassé tous les spawners.
J'ai vu qu'il y a d'autres spawners là, il y a des spawners à creeper et tout, mais... Avant ça, là, il y a un coffre. Hop. Voilà, le spawner à squelette, lui, il est pété. Bon, je pense que je vais pouvoir aller chercher la laine tranquillement. Hop. Laine orange et on va remplacer ça par... Je ne sais pas. Même de reperles. Voilà, la zone là, elle est faite. Je l'ai fouillée de fond en comble. J'ai été hors partout. Elle était pas trop compliquée, heureusement, parce que c'est une zone de début. Toi, tu crèves, tu crèves, tu crèves, tu crèves. Voilà. Ah lui, je cherche même plus à comprendre ça là. Ils m'ont tué une fois, c'est bon. Hop. Voilà, j'ai une deuxième laine. Je vais la foutre, c'est là-dedans. J'ai pas mal de cuir, apparemment. Je vais voir si je peux pas maintenant. Je peux dormir seulement la nuit, putain, à chaque fois ça me le fait. Bon bah tant pis. Tempi, comme on dit. Hein. Si je ne peux pas dormir là-dedans, ben je ne dormirai pas là-dedans. Hein. Faut juste maintenant que j'arrive à me régène. Maintenant que j'ai réussi à avoir ça, bon, il faudrait que je me refasse un plastron. Je vais me faire un plastron en cuir, puisque de toute façon, j'ai du cuir et du cuir à revendre. Je vais mettre un coffre ici aussi. Je vais mettre tous les trucs que je vais pas utiliser tout de suite, je pense. Attendez, j'ai deux punch. Vous croyez que si je mets les deux punch ici, ça va l'améliorer en punch? Non, d'accord, ça l'enlève le punch. Tant pis. Au moins j'ai un arc de bon là. Voilà, niveau bouffe, va falloir que j'en laisse un petit peu ici, genre ça. Je prends les poissons, les patates et ça sur moi. Niveau protection, bah, je vais les garder sur moi. Je vais essayer de la potion ici, ça je laisse ici. Ça je laisse ici aussi. Et voilà, je pense que c'est bon. Je peux dormir que la nuit. Je ne sais pas quand c'est la nuit. Bon, au moins, Old Night, ça je l'ai eu. Enfin, Ruin of Warrior, je l'ai eu. Forgotten Castle et Sanctuary of Armjay dans le sanctuaire maintenant, donc Sanctuary. Le sanctuaire de je sais pas qui. Oh putain. Ils sont pas sérieux. Ça me demandait un truc suicidaire de me faire ça. Hein. Ça, je crois que vous voyez ça. C'est Azo qui va me faire rager. Voilà pourquoi je crois que cette zone elle va me faire rager. En fait, là, il y a quelque chose. Faudrait que j'aille voir ce qu'il y a là, en fait. Le problème, c'est qu'il y a lui là-bas, là. Allez, zou, dans l'eau. Dans la lave, plutôt. Voilà. Je suppose que ça va être un truc pour pouvoir enflammer. Ah non, c'est des blocs, putain. Fais chier. Du sable, des glaces, du sable. Je prends. Je vais juste aller poser, c'est le bois. Vu qu'on vient de ramasser du bois, je vais poser le bois. Parce que hein, le bois, c'est quand même super important.
Allez, sérieusement que je fasse un rush jusqu'ici. Je suis désolé. Il y a trop de risques à prendre si je fais pas le rush jusque là. Je les ai vus spawner, je les ai vus spawner, je les ai vus spawner. Ça par contre ça... Ok, ça par contre ça va être assez emmerdant ça. Ok mec, on va se calmer hein. Ok, je sais où se trouvent les spawners. Je sais où se trouvent les spawners à ces niveaux-là. Je préfère les péter entièrement. Que de les laisser vivants. Sincèrement. C'est bien mieux pour ma santé. D'où? Mais d'où tu viens par ici, toi? Ok, il me reste plus que 5 torches, mais je suis dans la merde. Ah, j'ai pas aimé quand j'ai entendu le bruit du zombie là, ça m'a fait un stress. Par contre ça va commencer à être corsé dans le sens où j'ai presque plus... Je suis quand même tenté de tester un truc. Si je crève, ça va me faire chier. Des trucs de combat. On va prendre, écoutez. Non, ça limite les fils, ça je veux bien. Ok, je crois que j'ai trouvé le coffre. Ok. Regardez cette technique de putain de tafiole là. C'est une vraie soubesse, une grosse technique de tafiole. Et hop, j'ai la laine. Salut les gars. Hop, je remonte, j'ai la laine. J'ai eu ce que je voulais. Voilà. Comment avoir une laine facile. C'est un peu bête, mais je l'ai eu au moins. C'est le but d'une CTM, c'est d'avoir les maps, hein, les laines. On est bien d'accord. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai eu. Enfin, je l'ai eu. J'ai bien vu un zombie ou un squelette se faire cramer la gueule là ou quoi que ce soit. Hein. Et en plus ça tombe bien, je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Attendez. J'ai vu d'autres choses là.
Heureusement que je l'ai pas. Alors, flame. Fire résistance. Autant prendre l'arc là alors. Tac. Des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, encore des flèches. La TNT, je crois que je vais la garder. Je vais plutôt laisser ça. Et voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. On a notre deuxième laine à la deuxième vidéo. Non, notre troisième laine. Ah! On a notre troisième laine. Je peux dormir. Ah oui, je peux enfin dormir, voilà. Oh purée, quoi. Pouf, voilà. Donc, j'ai pu enfin dormir. Donc, je vais me respawner à l'intersection numéro 1. Je vais donc déposer la laine dans le coffre là-bas. Et donc je vais arrêter la vidéo là, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et bien sûr à plus tard, allez, tchuss tout le monde!